life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour à tous, alors si vous avez été sur les réseaux sociaux ces deux dernières semaines, vous avez probablement vu passer plusieurs exemplaires du Dolly Parton Challenge, et avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre le Dolly Parton Challenge, je trouve ça drôle, il y en a qui sont très bien faits, très marrants, mais c'est pas uniquement une blague, c'est-à-dire que c'est aussi finalement un symptôme, un reflet de notre société, et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Alors, petit rappel, Dolly Parton, c'est une chanteuse américaine, notamment connue pour sa chanson de Jolene en 74, et qui a publié le 22 janvier une photo, ou plutôt un montage de 4 photos d'elle, 4 photos totalement différentes, correspondant à 4 réseaux sociaux totalement différents. Et des centaines de milliers de personnes se sont assez rapidement engouffrées dans la brèche en proposant leur propre version de ce montage. Donc, le principe est simple, sur LinkedIn, on renvoie une image qui est pro, qui est sérieuse. Sur Facebook, on met plutôt à l'honneur la famille, les amis, la détente. Sur Instagram, on met plutôt en scène sa vie rêvée. J'ai d'ailleurs un ami qui appelle Instagram « Ma vie est meilleure que la vôtre » parce qu'il voit vraiment ce réseau comme une manière d'étaler sa vie rêvée. Et enfin, il y a Tinder, où là, le but, évidemment, est de mettre une image sexy. Ce que révèle avec humour le Dolly Parton Challenge, c'est que sur les réseaux sociaux, on met en scène nos vies. Et on met en scène nos vies différemment, avec différents codes, selon le réseau utilisé et selon la personne, évidemment. Et en soi, j'ai aucun souci avec ça, aucun souci avec le fait de mettre en scène nos vies. C'est en fait bien utile, dans un certain nombre de cas, de savoir présenter les choses, de savoir raconter une histoire, de savoir trouver un angle d'attaque intéressant sur un sujet ou sur un autre. C'est même totalement indispensable dans certains contextes, que ce soit un entretien d'embauche ou alors une situation de vente, hein, que ce soit vendre un produit, un service, etc. Et je vous arrête tout de suite, mettre en scène nos vies n'a absolument pas été inventé par les réseaux sociaux, ça fait très longtemps que ça existe, sous d'autres formes. Ce qu'ont amené les réseaux sociaux, en revanche, c'est le fait que nos mises en scène, entre guillemets, peuvent toucher beaucoup plus de monde, et d'autre part, qu'on est exposé à beaucoup plus de vie, beaucoup plus de tranches de vie, et ce, quasiment en permanence. Mais la mise en scène de nos vies, elle va aussi avoir des effets pervers. Le premier, c'est qu'on va avoir l'impression que les autres ont des vies parfaites, alors qu'on n'est que trop conscient, nous, de l'imperfection, des failles qu'il y a dans nos vies. Et donc, on va juger notre propre vie à l'aune de ce qu'on voit de la vie des autres. Et ça, ça peut être le cas, même si, consciemment, on sait bien sûr que les gens choisissent ce qu'ils mettent en avant. Je peux donner un exemple, hein, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, mon burn-out a été entre autres aidé par le fait que dans mon fil LinkedIn, je voyais plein d'entrepreneurs qui annonçaient leur levée de fonds, qui recrutaient à tour de bras, qui étalaient leur réussite, et moi, en creux, j'avais l'impression du coup que ma boîte avançait pas. Il y a un deuxième problème qui est moins répandu, mais qui ne fait qu'aggraver la situation, c'est qu'il y a des gens qui poussent le vice, en fait, jusqu'à mentir, jusqu'à s'inventer une vie. C'est-à-dire qu'ils vont se prendre en photo devant une voiture de luxe qui n'est absolument pas la leur, ils l'ont juste vue dans la rue, qui vont aller rendre leur fringue de luxe au magasin juste après avoir pris une photo avec, qui vont abuser de la retouche photo, voire qui vont faire des photomontages. Et ça, évidemment, ça ne rend service ni aux personnes qui font ça, ni aux personnes qui les voient faire. Mais ça, ce sont des cas qui sont assez exceptionnels. Le piège, c'est qu'on verse tous plus ou moins dedans. C'est-à-dire que, moi, il m'est arrivé il y a quelques semaines de voir des amis que j'avais pas vus depuis un certain temps, et ils m'ont dit « Ah, mais t'es pas en voyage !» Ça faisait plus de 3 mois que j'étais rentré de mon dernier voyage. Et ils avaient cette impression que j'étais tout le temps en voyage, parce que ce que je poste, c'est notamment des photos et des vidéos de voyage. Et alors que je place en tout premier dans mes priorités le fait de parler de la vie telle qu'elle est, avec ses choses plus ou moins positives, etc., je me rends compte, en fait, que je donne une image qui est totalement à l'opposé. Pourquoi ? Parce que ben, je parle quand j'ai des choses à dire, je partage quand j'ai des choses à partager. Et on est tous un peu comme ça. Et finalement, ces choses qu'on partage, c'est des choses qui nous font plaisir. Donc ce sont les choses qui font envie, ce sont les choses qui font rêver, ce sont les choses positive, puisque à part quelques illuminés comme moi qui parlent en long, en large et en travers de mon burn-out, on a du mal en fait à parler de choses négatives, sans forcément d'arrière-pensée, sans forcément vouloir le masquer à tout prix. De manière générale, et je ne fais pas exception à la règle, même si j'essaye de faire le contraire, les vies que l'on affiche seront en fait les aspects positifs de nos vies dont on a envie de parler. Après, je pense pas que du jour au lendemain, tout le monde va se mettre à
partager sa vie telle qu'elle est, dans ses moments plus ou moins intéressants, dans ses réussites et ses échecs, dans ses peurs et ses doutes. Je pense pas que ça arrive, et après on pourrait même se demander est-ce que c'est vraiment souhaitable. En conclusion, j'aimerais donner 4 points. En premier, vous pouvez raconter une histoire, mais ne racontez pas d'histoire, ne racontez pas de salade en gros. C'est-à-dire, restez honnête, sincère. Vous pouvez éclairer la réalité sous un angle, sous un autre, passer un message différent, oui, mais n'allez pas, évidemment, déformer ou inventer cette réalité. En deuxième, assurez-vous que vous vous reconnaissez dans l'image que vous renvoyez. Ne vous créez pas de toute pièce un rôle, un personnage qui ne vous correspond pas, et un rôle qui finalement deviendra trop lourd à porter avec le temps. Je dis ça, ça paraît extrême, on pense aux grandes supercheries, aux grandes arnaques, mais en fait, des supercheries comme ça, on en fait tous, mais petites, à petite échelle. On joue parfois des rôles pour notre entourage, pour nos collègues, parfois on se sert des supercheries à nous-mêmes, voilà, on se ment nous-mêmes sur qui on est, sur ce qu'on fait, toujours avec de bonnes intentions, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que plus on avance, plus ce rôle est lourd à porter, plus il peut être difficile d'en sortir, et plus il y a le risque, en fait, que l'on regrette que notre vie ne corresponde pas à la vie qu'on s'est inventée, à la vie qu'on projette. Troisième point, gardons à l'esprit que tout le monde met en scène sa vie. Pour une raison simple, c'est que nos vies sont complexes, sont bien remplies. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses, on a une personnalité complexe, donc on ne peut pas matériellement expliquer à quelqu'un l'entièreté de notre vie. Donc à partir de là, on est obligé de faire des choix, il y a des choses qu'on raconte, qu'on ne raconte pas. Même quand vous discutez avec votre meilleur ami, il y a des choses qu'il vous dit ou pas. Selon sa personnalité, il va vous parler plus de positif, de négatif, les deux. Mais sachez que même ceux qui ne parlent pas de négatif le font pas par malhonnêteté. C'est souvent qu'on est gêné, qu'on a honte, justement, on est tellement exposé à ces vies parfaites que nos faiblesses nous paraissent monstrueuses. C'est aussi, tout simplement, parce qu'on a forcément envie d'embêter la personne, à lui parler de nos problèmes, et ça fait que finalement, il y a beaucoup moins de négatifs dans les informations qu'on reçoit, ce qui met évidemment en valeur le négatif de ce que nous, on vit. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'aucune vie n'est parfaite, il y a toujours un revers de la médaille. Une vie de rêve, c'est un rêve. Personne n'a une vie de rêve. Tout le monde a des problèmes, petits ou grands, qu'il doit gérer, et ça fait partie de la vie. Alors, ne nous faisons pas une image fausse de la vie et de ce qu'elle doit être. Quatrième et dernier point, face à la chance des autres, vous pouvez rêver, vous pouvez avoir envie, vous pouvez être content pour eux. Mais en aucun cas, la chance des autres ne doit vous faire oublier la chance que vous avez, vous. Et la chance, on en a tous. On a tous des chances, on a tous des choses qui vont bien, même quand on a l'impression que rien ne va bien, c'est juste parce qu'on concentre notre attention sur le négatif. Mais tout n'est jamais blanc ou noir. Donc soyez fiers, fiers de qui vous êtes, fiers de ce que vous faites, et ne comparez pas tout ça à des vies qui sont inventées de toutes pièces, qui sont le fruit de leur époque, et qui ne sont ni réelles ni réalistes. En bref, restez vous-même et aimez-vous vous-même tel que vous êtes. Je précise encore une fois que c'était pas une vidéo à charge contre le Dolly Parton Challenge ou contre les réseaux sociaux. Voilà, c'est juste une réflexion sur une dynamique de société et sur les réseaux sociaux, effectivement, qui sont des outils qui rendent de grands services, mais qui viennent aussi avec leur lot de pièges dont il faut avoir conscience, en fait, pour justement savoir les éviter au mieux. Voilà, donc moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les réseaux sociaux, sur le Dolly Parton Challenge, sur l'image qu'on a de nous-mêmes et qu'on renvoie aux autres. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, et si vous voulez voir une prochaine vidéo sur le développement personnel et le burnout, ça se passe en bas, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça. Et sur ce, je vous dis un grand merci et à très vite. Salut! You up and boom, 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 bo